Mes chers compatriotes, Guinéennes et Guinéens, au moment où l'année 2020 s'achève, je me donne le devoir, mais aussi le plaisir, de m'adresser à vous pour vous dire combien de fois j'aurais voulu être avec vous à ce moment de basculement d'une année à l'autre. Mais même à distance, par la magie de la communication, vous pouvez m'entendre et surtout écouter très attentivement ce que je vais vous dire. La Guinée n'a pas connu le plus grand succès en 2020. Tout comme le monde d'ailleurs, nous sommes passés par plusieurs pandémies, dont deux majeures, Ebola et aujourd'hui la pandémie de la COVID-19. Le monde vit mal. Le monde vit mal parce que les pratiques ne sont plus dans la ligne droite de l'humanité. Tirons-en les leçons. Je m'adresse à vous parce que votre course après l'espoir, après le bonheur, reste encore à se poursuivre. Et c'est dommage. Nous avons voulu de la démocratie, nous ne l'avons que très partiellement, sinon même pas. Je voudrais vous dire que vous ne devez pas désespérer. Je pense à tous ceux qui, en ce jour de l'an, sont au travail pour les autres. Les infirmiers, les sages-femmes, les éboueurs, les sapeurs-pompiers, la sécurité, les forces de défense et de sécurité, tous ceux qui, en un mot, pensent aux autres qui font la fête. Est-ce que la fête sera bonne? Je le souhaite, mais elle peut ne pas l'être tellement la situation est devenue difficile. Le Parti de l'Espoir pour le développement national, dont j'ai la charge en tant que président, c'est par la confiance de mes militants, pense qu'il est temps.